Bonjour, bonjour, amis et fans des Dungeon Crawlers. Si ça, c'est pas une bonne surprise, je ne sais pas ce que va être une bonne surprise. Nova Aetas Renaissance, oui, je l'ai, c'est mon exemplaire. Alors, merci, Ludus Magnus Studio. De bonnes nouvelles par rapport à ce Nova Aetas-là, c'est que. Il est sorti en version boutique. Ça, ça n'est pas du tout un pledge que j'avais fait. Et la deuxième bonne nouvelle par rapport à la version boutique, c'est que c'est un titan. Enfin, c'est pas un, c'est le titan pledge. C'est-à-dire que euh, la boutique, les boutiques qui ont eu droit de le commercialiser, ont pu avoir accès à des versions. Kickstarter, ou tout du moins euh, financement participatif. Je ne sais plus si c'était KS ou GameFound, mais peu importe. Euh, donc c'est un vrai Pledge avec les Stretch Gold, plus des boîtes supplémentaires. Donc c'est quand même des super nouvelles. A noter que vous ne pourrez pas trouver le Titan Pledge, voire même les boîtes de Nova Etas euh, Basique, dans les boutiques classiques. Uh, Ludus Magnus Studio a pris le parti de faire un circuit euh, particulier avec principalement les boutiques en ligne, uh, notamment Sortilège ne l'a pas, uh, et des boutiques indépendantes du, du style le sablier curieux à Tours ne pouvait pas l'avoir non plus. Donc c'est uniquement par la solution internet. Si vous êtes intéressé, et moi, Dieu sait que j'étais très, très, très intéressé. Alors, ça n'en finissait pas de venir. Je trouvais le temps long, je me demandais même si, il y a encore un an, ça allait finir par, euh, par sortir. Et il est venu plus vite que prévu, en fait, parce que ça fait quoi Trois semaines, un mois, où j'ai vu passer les premières vidéos de, de réception de la part des, de quelques youtubeurs qui l'avaient pledgé. Alors j'ai pas regardé du tout de vidéo de déballage, euh, puisque mon espoir était que oui un jour il sorte en boutique, mais j'étais plutôt sur la fin d'année 2024 voire début 2025. Et là, coup sur coup, après Warhammer Quest, euh, la cité maudite, je me retrouve aussi avec Nova à Etas Renaissance. Généralement, quand ça se produit comme ça, que j'ai deux gros jeux vers lesquels j'avais une attente euh, incommensurable, quand j'en ai deux en même temps, ça m'embête un petit peu dans le sens où j'ai l'impression que ça me fait trop d'un coup, ingurgité. Là c'est l'inverse. Je me dis, mais ça va être chouette parce que notre fin d'année en termes de dungeon crawler s'annonce plutôt bien, puisque dans l'idée j'aimerais bien faire en parallèle quelque chose que je n'ai jamais réussi à faire sur la chaîne encore, c'est mener de front deux campagnes de deux jeux différents. D'un côté Warhammer Quest City, euh, la cité maudite, pardon, et de l'autre côté Nova et Tas Renaissance. Alors, pour moi, ce serait un super challenge à relever. Ça permet deux choses. D'une part, de gommer un effet de lassitude en ne faisant et en enchaînant que des scénarios d'un même jeu. Mais c'est pas évident à faire. Franchement, c'est pas évident à faire. Mon degré d'envie et d'attente pour les deux était vraiment au même niveau. Là, il y a un avantage, c'est que vous ne le saviez pas encore, mais oui, j'ai fini de peindre depuis une semaine l'entièreté des figurines de la cité maudite. Donc, je vais pouvoir officiellement démarrer la campagne là dans les dans les jours qui viennent. Ce qui fait qu'après avoir déballé, je pourrais aussi attaquer les peintures de celui-ci. Tiens, en parlant peinture, autant j'avais une hype et un degré de motivation de dingue avec La Cité Maudite, là, Nova Etas, euh, il est amoindri, l'envie de peinture, le degré de peinture, c'est très bizarre. Peut-être que j'en ai tellement bouffé aussi en même temps. Et j'ai attaqué aussi Edge of Sigmar V4. Donc, euh, je ferai de toute façon, comme d'habitude, les héros, les grands méchants, mais les figurines un petit peu plus lambda, je pense que là j'irai un peu plus vite. Alors, qu'est-ce que nous avons Déjà, ce qui est bizarre, c'est que le c'est pas un cellophanage tel qu'on le connaît, ça a été mis dans un, un plastique. Tout bizarre. Bon, il est bien protégé, hein, c'est pas, pas le souci. Donc c'est un jeu de Andrea Coletti et Luca Bernardini. Il est peut-être temps que je vire la vignette. Hein. Maintenant c'est bon, on a vu ce que c'était. Donc je disais un jeu de Andrea Coletti et Luca Bernardini euh, sous, euh, sous LMS, Ludus Magnus Studio. Alors ce qui est rigolo aussi, comme quoi il y a très peu de hasard dans les jeux de société, c'est que... Nova Etas Renaissance, c'est du médiéval et c'est le pendant de ciné-temporé. Donc ciné-temporé qui se passe dans l'espace futuriste et avec Warhammer euh, la cité maudite, c'était le pendant de Blackstone Fortress et Blackstone se passait aussi dans l'espace. Donc là, je suis en train de boucler la boucle avec des jeux envers lesquels j'ai une grosse affinité parce que Blackstone et Ciné Temporé, franchement, j'ai kiffé. Et c'est, à ben ce sont deux des rares jeux que j'ai pu finir en campagne sur la chaîne. Parce qu'ils sont déjà ils sont longs, mais ils m'ont vraiment, vraiment passionné. Donc, Nova Etas Renaissance, franchement, j'y vais les yeux fermés. Même si je me souviens bien, et peut-être allez-vous vous en souvenir que j'avais pesté contre Ciné Temporé, parce que les créateurs, concepteurs avaient mal branlé quand même la, le calibrage de certaines missions. Clairement, on voyait que ça n'avait pas été testé correctement. J'espère que là, ça aura été beaucoup mieux affiné. Toujours est-il que. Bah oui, encore une fois, c'est vraiment les yeux fermés parce que finalement, je m'en étais débrouillé comme d'habitude. Hein. On n'est pas des teubés dans notre passion de jeu de société, on se fait nos propres règles au final, quand vraiment il y a des petites choses qui nous titillent. Alors la boîte est énorme, vraiment énorme, 20 et 20, 40, on est sur un 50 de large pour du, pff, au moins 30, euh, ouais, 25, 30 de haut, alors ce qui est normal, puisqu'ils ont pris le parti de faire une seule et même boîte, Stretch Gold inclus, avec ça, dans ce fameux petit pledge, on a une boîte d'extension pour un personnage en plus, Mediceo. Je vous le dis tout de suite, alors lui, j'en ai rien à battre. Mais je vous le dis tel que ça vient, tel que mon premier sentiment est apparu lorsque j'ai ouvert le, le carton. Déjà, ça me, pète, ça me pète les noix de voir un Boba Fett avec un... Comment c'était Bébé Yoda. Dans la série Mandalorian, ça n'a aucun intérêt. Pour moi, aucun intérêt. Bon, bah, ça existe, mais je ne déballerai même pas. Une autre raison à ça, c'est pas juste le fait que je sois un gros boudeur. Euh, L'autre raison, c'est que dans Nova Eta, si j'ai bonne mémoire, on a au moins six personnages différents. Alors là, on n'en voit que quatre. Ça doit être les quatre personnages vraiment principaux de l'histoire, mais si on en a au moins six, lui devient pour moi inutile parce que ça va permettre de composer des groupes différemment, pour peu que l'on ait le droit de le faire. Enfin, ça, mais en même temps, le droit, je le prendrai pour... probablement. Donc, Mediceo, bah c'est bien, ça va rester cellophane et sur les étagères. Et puis par contre, on a une autre extension qui peut être très sympa. Alors là, bah si... Prendre de la hauteur si le câble me l'autorise, oui, ça a l'air de suivre. Extension qui s'appelle Hyperion, donc ça rajoute quelques missions. C'est pas une campagne intégrale, mais un gros gros boss. Alors, je suis jamais fan des très gros boss, très grosses figurines comme ça. Euh, ça prolongera quand même l'aventure, donc c'est sympa. Ça, je ne vais pas le bouder, le bouder. Euh, tiens, c'est un jeu pour un à six joueurs, 14 ans et plus, 90 minutes en moyenne par partie. Extension ou pas extension. Alors que je recadre ça à peu près. Comme il se doit. Je vais peut-être faire pause là pour enlever ce plastique de fou et que l'on s'intéresse aux d'autres boîtes. Alors non Friedrich, ne fais pas arrêter l'enregistrement, mais pause, à tout de suite. Voilà. Eh ben, j'ai pris une suée hein, à le triturer, forcément j'étais un peu pressé. C'est étonnant de ma part. Alors, on va reprendre de la hauteur. Nova et tasse renaissance. Le dos de boîte, bon, ça nous présente tout le matériel. Oh Ça, ça peut être sympa, ce serait en. En comment, en. Oh zut, j'ai bouffé le nom. Je retrouverai. Bref, on a beaucoup de matos, on a du décor. On a un gros méchant. Matériel, alors voyons voir ça. On a quand même 77 figures. Ah, il y a 8 héros. Ça, c'est bon, ça. Ah, ben oui, puisque petit si template égale stretch gold égale héros débloqué pendant la campagne. 4 familiers, un compagnon, des cartes à plus savoir qu'en faire. Plein de jetons, 218 jetons, des cubes de héros, ok, des éléments de décor 2D. 16 fiches de héros. Ouais, OK. Bon après Manuel Horologium. Alors l'horologium ça c'est cette cette espèce de roue ici qui nous permet de faire un compte tour et de savoir qui agit, qui focus quoi dans quel ordre. Et puis, et puis bah sinon, on a, euh, on a plein de trucs. Un hein. système d'enveloppe, ça j'aime beaucoup. Euh, ça promet quand même. Alors, à noter que graphiquement, moi, j'étais tout de suite dedans. Il hein, n'y a pas de souci. Contrairement à. Et je le dis à chaque fois que j'évoque un dungeon crawler. Tant qu'il n'est pas arrivé que je ne l'ai pas sous les yeux. Malia, où j'ai un petit doute sur les graphismes. Je ne suis pas sûr qu'il m'embarque euh, vraiment. Et puis toujours avec les chroniques de Drunagor qui, je vous le rappelle, sont encore emballées sur mes étagères. Ça ne presse pas. On verra ça en 2025. Alors, on s'intéresse de plus près à Nova et Tiens, là, il y a Chronicles. Nova et Chronicles. Ok, on s'en fiche un peu, je pense. Ici. Italie 1508, les vents de la guerre se lèvent sur le berceau de la Renaissance. L'affrontement entre Roma et Venise pour la domination de la péninsule italienne est inévitable. Le contrôle d'un ancien et puissant artefact sera la clé de voûte qui déterminera qui sortira vainqueur de ce conflit. En tant que jeune membre d'un petit groupe de mercenaires, vous vous retrouvez au centre de stratagèmes et de batailles. Pour le contrôle du sang de Gaïa et la suprématie sur le cœur de l'Europe de la Renaissance. Alors c'est vrai que c'est marrant ce mix entre médiéval fantastique et vraiment historiquement la Renaissance italienne. Donc nous sommes dans un jeu coopératif de bataille tactique, campagne narrative complète posé de 27 missions non linéaires. 27 missions, d'accord. Ah, bah, c'est bien, c'est pas si long que ça. Je croyais que, je pourrais on allait euh, dépasser 30-35 euh, missions obligatoires à, à enchaîner. Mais là, en plus, on est sur de la non-linéarité. Autre bonne nouvelle, ça alors. Parfait. Alors, donc, ça nous guidera à travers une renaissance sombre et fantastique au seuil d'une guerre féroce. Développez vos héros grâce à des dizaines de compétences et d'objets à fabriquer. Combattez les trois factions d'ennemis qui se disputent le contrôle d'un puissant artefact qui peut décider du sort de la guerre ou rejoignez une alliance avec l'une d'entre elles. Êtes-vous prêt à réécrire l'histoire Ah, ok. Donc, on va avoir trois factions et on peut en rejoindre une. Tiens, bah je, fais, je fais le parallèle et ça me fait penser à Skyrim, dans, dans lequel on pouvait rejoindre une faction. Alors, je repense à Skyrim parce que euh, j'ai fait des vidéos sur le jeu de plateau euh, il y a quoi Il y a un mois. Un mois et demi maintenant. Euh, alors, oui, ça impliquerait une certaine rejouabilité plus accrue que ce que l'on peut avoir dans certains dungeon crawlers. Mais on ne va pas s'enflammer avec ça, hein, sachant que une fois joué, pour Friedrich, eh ben c'est une, une autre fois rangé, parce que parce qu'on parce que passe à autre chose. Alors, ils annoncent une heure et demie par euh, partie. Donc on va plutôt être sur du 2h30, voire 3h en solo. Et je suppose que l'on est obligé de prendre et de contrôler quatre héros, comme avec euh, Cité Maudite et comme ça devait être le cas d'ailleurs dans 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 ciné-temporé ah, voyez-vous ce couvercle qui monte qui monte qui monte allez ah dis donc néoprène bordel ça y est j'ai retrouvé le nom ça doit être un tapis en néoprène que j'ai euh, entreaperçu alors de la protection qu'est-ce que c'est que ça black rosoir ah oui alors c'est vrai que ludus magnus sont aussi les créateurs de black rosoir il paraît que c'est excellemment bon ça euh, d'ailleurs je me posais la question de savoir s'ils allaient vraiment sortir nova et tas renaissance depuis toutes ces années ça doit faire 4 ou 5 ans parce que depuis 4 ou 5 ans on a vu passer du black rosoir justement avec des rééditions alors ça, ça doit être un stretch goal dédié uniquement à Black Rose War. Oh, oh chiottes. Vous devez avoir Black Rose War Rebirth, voilà, pour pouvoir jouer à cette extension. Donc ça, moi, je m'en fiche. Euh... Quoique, je me demande dans les stretch goals s'il n'y a pas un dé personnages de cette boîte que l'on peut quand même utiliser dans Renaissance on verra bon sinon dans l'idée bah, c'est une extension qui ne me servira pas comme mes o on a ceci on va aller chercher quoi Nova et Renaissance un manuel or vraiment petit manuel c'est on nous parle des factions des compétences on verra ça si j'y pense tout à l'heure. Nous avons nous avons des ah oui ça c'est ça va être pour l'horologium. Des jetons. Ça commence la palanquée de jetons. Alors j'en attends beaucoup de des figurines aussi. Renaissance stretch goal, comte de l'auberge. Ça c'est quoi C'est. Ce sont des nouvelles peut-être Bon, ouais. À moins, que, à moins que ça serve pendant la campagne, mais sinon, ce sera peut-être que simplement des nouvelles. Là, on a quoi Ça ressemble à un classeur. Euh, oui, on dirait un classeur. Je vais tâcher de l'ouvrir sans vous exploser les tympans. Est-ce que c'est possible Ouh là 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 Ouais, c'est possible. Oh, il est chouette. Euh, alors, ce qui est marrant, c'est que j'avais parmi le nez, ni dans les vidéos, ni dans euh, la campagne. Je voulais le plaisir complet de la découverte Ligue de Cambrai. Ce ne sont pas les bêtises d'eux. Qu'est-ce que c'est que ça Je hein En tout cas, c'est propre. Non seulement c'est propre, mais c'est super attrayant, c'est beau. Forcément, ça sent bon. Alors, qu'est-ce qu'on a là? De cambrai. Oh, prolo. Ah, d'accord, mais c'est une campagne peut-être. Ah, oh, les dessins, ils sont chouettes. Vraiment super chouettes. Ah ouais, elle, elle est badass une carte en feu Spoleto. Oui oui, d'accord. Bon, tout ça, c'est la campagne. Ah, J'adore le fait que ce soit en comme ça sous forme de classeur. En plus, il est vraiment super immersif. On est sur un format A4, à, à peine A4, à j'ai l'impression. Génial. Ça commence les superlatifs euh, blabla, on s'excite, on s'excite, mais pour le coup, oui. Vraiment génial. Qu'est-ce que nous avons là à lire en premier pour le tuto Parfait. Euh, oui, il faudrait que je revienne dessus sur chaque bouquin après. Renaissance Stretch Gold. Alors, je mets toujours un D à la fin de Stretch Gold. Non, c'est Stretch Gold. D'accord. Ça, on jettera un petit coup d'œil. Un autre livret de règles bah, Les règles en soi pas si épais que ça donc et c'est vrai ce qui était bien c'est que dans ciné temporé les règles étaient très facilement assimilables les fameuses tuiles alors non on ne constitue pas de puzzle avec les tuiles pour former le plateau on a directement des tuiles format euh, carré rectal versal avec du graphisme plutôt sympa et très très fourni alors Très fourni certes, là par contre euh, absolument pas diversifié. Hein. On est en extérieur, oui, c'est extrêmement bucolique. Il va, falloir, euh, il va falloir, un peu de sombre. Bah justement, tiens, de ce côté-là, on est sur quelque chose d'un peu plus sombre, voire même dévasté. C'est bien. Donc pas mal de tuiles là, ah, quoique pas mal, il doit y en avoir 8. Ah des. Euh, et dire désert, non, plutôt décor enneigé visiblement. Ça changera. Ah ouais, si, on a de la diversité. Bah, pas tant que ça, deux, quatre, six tuiles seulement. Six tuiles de terrain. Après, j'espère que on va avoir beaucoup plus de diversité dans les scénarios proposés. Qu'est-ce que c'est que ce truc Alors, je croyais que c'était à dépuncher, mais pas du tout. C'est une autre tuile de bâtiment pour ça. Et là, c'est. Je sais pas quoi. Est-ce que ça va faire partie d'une une sorte d'épreuve, d'un scénario où il va falloir compléter des choses Puisqu'on a des symboles en double là les clés, les piliers, les crânes, le cheval ailé et puis le truc. Bon, on verra bien, mais en tout cas, on a une tuile d'intérieur. Et on attaque. Oh, ah, mais oui, les décors. Ah, mais je ne les voyais pas aussi grands. Alors, ça, c'est une tour. Hein. Donc, forcément, elle va être assez balèze. Le principe, ça va être quoi On voit ici, c'est un, un système de clips. Pour aller faire le montage, on a des jetons divers et variés. Ça, on verra. À quoi ils servent Là, on a les jetons qui vont sur l'horologium le pour euh, les actions. Alors, je confirme que graphiquement, les dessins sont pile, <laughs> j'allais dire, à ma taille. Ah, on a le droit de dire ça. Allez, les dessins sont à ma taille, ça veut rien dire, mais vous aurez compris que je les aime beaucoup. Des petites tuiles qui permettent d'amener d'autres éléments de décor sur le plateau. Euh, ça c'était quoi déjà Ah bah ben, le compteur de menaces, il y en a un par héros. Ok, on enchaîne avec, waouh, ça c'est chouette, c'est aussi du décor ça Ah ouais, carrément. Hey, mais je vais finir par avoir une collection de décors assez, euh, assez impressionnante. Ah, de vue de haut, on a un chariot. Ok, 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 très bien. Ici, pourquoi ont-ils pris le parti de mettre ça avec un bandeau Ah Ça, si ça se trouve, ce sont les... les tuiles de la boîte de base et celles que l'on a vues là, que je viens de passer. Donc les 8 ou 9, ça doit être les tuiles qui font partie des Stretch Goals. En même temps, on le saura probablement dans... Ce livret-là qu'on a vu passer au début, c'est-à-dire celui qui nous explique les plus-plus. Bon, là, je fais des suppositions parce que j'en sais rien finalement. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup de tuiles avec le même esprit, hein. recto-verso, des numérotations. Ah oui, d'accord, ça, ça va être des petites tuiles. Pour compléter. Allez, je défais quand même, on est dans un déballage, sinon, ça ne sert pas à grand-chose. On enlève, on enlève. Ah ouais, ouais bah, pff, graphiquement, il n'y a, y a aucun souci. Hein. C'est vraiment, euh, vraiment très chouette. à ah bah, les voici, nos quatre héros de la boîte de base. Ils sont là. Donc avec les, les Stretch Goals, ça en rajoute quatre autres. Les éléments de terrain en 2D. Non, ça 3D pour les arbres. Alors, ils sont pas mal hein. Honnêtement Honnêtement ou pas Alors, bien sûr, ça ne vaut pas nos vrais petits arbres en décor en dur en 3D. Et ceci dit, je les trouve Ouais, si ça le fait. Hein, ils sont grands. Eh, hey, mais les figurines aussi sont hautes. Grande et haute, c'est cool. Oh ouais, si, ça le fait bien. Hein. Beau boulot. Ils sont pas, euh, voilà, ils sont pas ni sobres ni euh, grossiers. C'est pas mal du tout. Ok, donc tout ça, ce sera à monter. Ça va être sympatoche comme tout. On en a d'autres. D'autres, on en a d'autres. Euh, je ne sais plus combien au dos de boîte on avait vu qu'il y avait de décors différents en bâtiment, mais ça doit être une douzaine quand même. Hein. Pas de bâtiment, mais enfin de décors 3D. Donc c'est quand même pas mal. Hein. Bon, les pions, comme ils l'ont annoncé, on a beaucoup de pions. Ah la vache, je le voyais plus au aussi grand que ça. Ou alors ils l'ont. Euh... Euh... Enfin, ça fait plus de 20 cm. Ça fait deux mains. Ça va prendre beaucoup de place. Bon, mais ça à mettre sur le côté du plateau. Tiens d'ailleurs, euh, les tuiles de plateau au maximum, on devait en avoir 1, 2, 3, 4, ça devait aller jusqu'à 6 max, ce qui était déjà pas mal. Hein. La caméra va naviguer. Euh, là, on a des jetons assez particuliers qui sont très jolis. Achille. Ah oui c'est vrai qu'on peut monter sur les bâtiments dans ciné temporé on avait des containers et c'était très, très 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 rare de mémoire que j'utilisais le fait de monter sur un container pour bénéficier de euh, ou de protection ou de bonus pour les tirs en contrebas à voir on va pouvoir former des buissons oh ça se barre dans tous les sens, c'est normal, le jeu a envie d'être dépunché. Ah oh, bah qu'est-ce que c'est que ça Un mouton et un truc. C'est pas un ours. Euh, ce serait peut-être des jetons euh, pour des objectifs, ça. On verra bien. Encore des tuiles pour rajouter des éléments de terrain. Ah tiens Là on est sur une feuille. Oh c'est joli ça on a un requin, un gros poisson là. Ah, c'est bizarre, c'est une bonne surprise. Alors ce terrain-là, on l'a vu hein, déjà sur une tuile en dur. Et là, on est sur du blubblub. Ça fait penser à ce qu'on avait dans la dernière version de Descente Légende des Ténèbres avec des terrains spécifiques comme ça sur, euh, sur une feuille de, de papier. Ça. Ah, j'aime bien quand il y a des cartes pour le fluff. Ah ouais, ça, ça me rappelle, ça me rappelle ce très bon jeu qu'était, qui reste toujours Gloomhaven, avec la carte où on voit qui va où et comment on prend possession des dieux. Ça, c'est génial. On est vraiment dans du pur dungeon crawler. Là ça a un aspect de land crawler hein, où on va se balader de lieu en lieu. En plus ils sont vraiment spécifiquement numérotés et nommés le village de Spoleto, Greccio, Trepietre, Assisi, Orvieto et Roma. Ok, là on a la légende, un village ou une grosse ville. Donc Orvieto et Roma, ce sont des grosses villes, le reste ce sont des villages. Est-ce que notre campagne, au final, ne nous mènerait pas jusqu'à Venice Peut-être. Bon, c'est propre, c'est clean, ça donne une furieuse envie. Ah, on passe... On est où là Je ne suis pas encore à la moitié de la boîte. J'ai déballé euh, ça là en hauteur. Et maintenant, ça veut dire que tout le reste, ce sont des figurines. Waouh! Un étage, deux étages. Il y a deux étages de figurines. On a dit 77, quelque chose comme ça. Alors, un, deux, trois, quatre, héros, cinq, six, sept. On voit que les couleurs sont différentes. Et le huitième, ça doit être ça. Hein. Je crois qu'on va aller choper un huitième héros là-dedans. Nous verrons. On a envers des compagnons. Ah ça c'est marrant, j'aime bien. Et puis les ennemis. Ok. Alors, on pose ça. C'est scotché ou pas Pas du tout. Ça m'arrange, ça évitera de faire un bordel. Monstre. Oh purée. Ah L'esprit gant, je rêve, j'aimais pas dans Nova et As. Dans Ciné Tempore, pardon, j'aimais pas l'esprit gant. Ah ouais, on a un socle. Euh... Mais tout ont un socle Ah oui Ah ben ça alors Bon, on verra le, le pourquoi du comment. Toi, tu étais dans ce sens-là. Alors. Elles sont super grosses. Est-ce que j'ai une figurine pas loin de. Mais bien sûr, pas loin. Euh... De, de, de la cité maudite. Tiens, le squelette là, viens, viens nous voir. Et voir comment tais-toi. Oh Incroyable Regardez-moi cette différence. Alors, déjà, chez Games Workshop, on est sur des formats qui sont assez euh, grands, assez balèzes. Ça c'est la cité maudite. Ah tiens, je vais vous présenter mon premier. Euh, mon premier gars que j'ai fini de peindre hier. Ah ouais, si, ils sont beaucoup plus gros. De Age of Sigmar euh, V4, un hein, Stormcast. <laughs> mon premier Stormcast. <laughs> j'étais con, j'étais temps, j'étais content. Bref, tout ça pour dire que, en fait, on est sur la. Ah, même pas. Nova Etas Renaissance, ils sont encore plus gros. Et B. Euh, donc oui ça va prendre une place de dingue. Alors vous ressemblez à quoi vous C'est à quoi là C'est un, un pistolet avec un truc au bout, c'est bizarre. Ouais, ça... oh, pour la décoder, c'est pas évident. Tu peux pas faire de mise au point, mais si tu veux faire une mise au point. Bon, ils sont stylés. Hein. Mais par contre... C'est vrai que, voyez, en déclinaison, on en a cinq. Alors à peindre, cinq fois le même, là, c'est c'est un peu c'est un peu chiant, contraignant. L'esprit Gan, regardez-moi comme ils sont tous mimi ceux-là. Ah bah pour le coup, je préfère cette version médiévale à la version Sprigan de ciné-tempore futuriste. Ah ouais, c'est c'est marrant comme tout ça. C'est plus dans l'esprit euh, dans mon esprit. Ces petites créatures-là, le fait qu'elles soient euh, version comme ça, fantastiquement médiévale. Et toi Oh, pardon, monsieur. <laughs> il, est, il est rigolo aussi, celui-là. Faudrait un fond noir. Non, là, c'est bon. Ah ouais, ouais, ouais. Eh ben, avec ma vue qui baisse de plus en plus, ça va être génial à peindre. Merci, euh, Ludus Magnus Studio. Mais vous voyez, décliner 2, 4, 6, 2, 4, 6 à chaque fois, 2, 4, 5 pour cela. Ce que j'aurais tendance à faire, selon mon degré de motivation, on en revient toujours à la même chose, hein. motivé ou pas, c'est au moins d'en faire un vraiment en guise de, de meneur peut-être. Je ne sais plus s'il y a une notion de champion dans les groupes d'ennemis de, de, comme ça quand ils apparaissent. Mais bon. En faire un vraiment euh, chouette, et puis les autres vraiment version très très light. Ici on a des albardiers. albardiers, oh, il se la pète, c'est génial. Il se la pète vraiment, les gardes. Euh, je repense aux factions là, dont on nous parlait dans le résumé au dos de boîte. On peut quand même pas rejoindre les, les factions des créatures euh, bizarres là. Oh, tiens, créature bizarre. Chouette, toi. Alors là, on est dans les ennemis lambda classiques, hein, où on va avoir un turnover assez euh, important. Parce que dans tous ces jeux-là, quand on a des déclinaisons de figurines à répétition, ça veut dire que ça va jarter rapidement. Là, on n'en a que trois. On serait sur des ennemis un petit peu plus costauds. Oh, ils sont classeux. C'est quoi C'est des bandits ou Waouh, waouh, waouh wow. On enchaîne avec ceux-là qui sont classés aussi. Deux armes, deux armes. Et B. En termes de schéma de couleurs, bon déjà on va pouvoir se baser sur ce que l'on a en visuel dans les différents documents différentes règles et autres mais sinon sur l'ensemble ça va être assez ah, là il y a beaucoup plus de détails mais 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 on est sur principalement de l'armure hein, donc ça va aller assez j'ose dire assez vite moi et bof mais quand même les gros costauds ah vous vous avez des masses on ne voit pas votre visage, il n'y a pas un brin de peau qui dépasse, ce sera tout en armure. La grande cape, ah ouais c'est cool, ils ont pris le temps de faire un, un dessin sur la grande cape. Pas sur la petite, mais enfin il y a, il y a pas mal de reflets de, reflet de, de détails, pardon, de masse. Ensuite on en a trois autres comme ça avec marteau de guerre. Waouh marteau de guerre et là c'est masse à deux mains ça va taper alors normalement dans toutes ces figurines là je sais qu'il y a dû y avoir des versions euh, des déclinaisons de pour les stretch goals je crois on passe sur un aspect typiquement romain là oui effectivement ah ils sont bien hein Vraiment, vraiment, ils sont bien. Je vois bien un aspect coloré vert et bleu par rapport aux, aux tuniques, à ce qu'ils portent en collerette au niveau du cou. Un aspect vert et bleu. C'est marrant que ça me vienne comme ça euh, à l'œil. Encore des créatures. Donc on a trois types de créatures euh, médiévales fantastiques là. On a l'esprit gant, cela et cela. Là on sent qu'on a affaire on augmente en termes de d'ennemis plutôt badass, donc on a des humains des créatures, voilà humains créatures pour l'instant, les arquebusiers waouh Ah ouais, alors eux je les imagine super chiants sur le plateau tactiquement. Se prendre une balle de leur truc là, de leur arquebuse, à mon avis, ça fait très 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 mal. Première découverte là de cette planche là, excellent. Ici on voit qu'on a un espace vide, ça va être pour les compteurs de menaces à ranger. Et en dessous, en dessous, on va enchaîner avec les, les héros qui ont vraiment une couleur très distincte. Pareil pour nos futurs familiers, couleur très distincte verte. Ah, et on attaque les figurines plus grosses. Là, on est à la moitié de la boîte. Ah, euh, Waouh déjà les, les familiers. Oh Pourquoi Ah, ok, si je prends... Admettons que ça, ce soit un héros Ah ouais Oh, J'adore l'idée. Ah, mais ça veut dire que sur les grandes cases de terrain que l'on a vues, le compagnon ou familier, je ne sais pas comment il l'appelle exactement, va tenir avec la figurine qui, qui l'accompagne. Ah, visuellement, ça va être super chouette. Alors, on a quoi On a un cochon On dirait un cochon Ou un. Un bébé Scaven, peut-être. Après on a quoi? Un ourson. Oh mais je vais jamais vouloir perdre ce genre de compagnon, moi. Oh et on a un petit chien, oh un petit husky qui, qui rigole qui fait Tu m'agaces à pas faire la mise au point. Ah, j'ai pas sorti ce que j'avais utilisé pour vous montrer ma motivation de peinture. C'est vrai que la mise au point se faisait beaucoup mieux. Ah bah voilà. Suffit de demander. Mais ils sont super mimis. Hein. Alors attention, je vous le dis, hein, s'il y a une règle qui dit que on perd un compagnon qui peuvent mourir, je vais pleurer. Je vais pleurer. Oh, C'est adorable. Allez, retournez là. Par contre là, en, en moins adorable, on va aller chercher elle. Ah ouais, c'est la version. Ah, elles avaient un nom celle-ci. Ça pue la sorcière à plein nez, ça. C'est vrai qu'elles étaient costaudes dans Ciné temporée celle qui était apparentée à cette euh, cette race-là. Tiens, ça doit être elle. Oh ouais, bah d'accord. Ah C'est la photo de la sur la boîte. C'est elle qu'on voit en gros plan. Qu Qu'est-ce que ça qui est tout tordu Ah, c'est sa queue. Ok. Hmm, pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre J'ose pas euh, prendre. Je ne sais pas qui prendre dans les petits. On a des PNJ, a priori. Ce qui me fait penser à. Euh, Solomon Kane. Ou selon les scénarios, on allait chercher des PNJ très spécifiques. Toi. <laughs> la petite dame avec son. On mange bien à la cantine. Hein. Oh, elle est stylée. Elle est vraiment rigolote, elle. Alors, est-ce que ça va être des interac interactions spécifiques Est-ce que ça va être au fur et à mesure des scénarios, des PNJ à aller sauver Il faut que ce soit bien amené, hein. Attention Ah, une joueuse. Ah non, une cartomancienne. <laughs> il y a quelques cartes dans la main droite. Beaucoup de détails. Puis alors, cette grandeur. Toi, tu es un type. Un type qui glandouille. OK. Il n'y a pas de jambe gauche, il a un bouclier. C'est bien. Toi, tu es une, toi, une noble. Et puis après, bah, on a encore. Euh... Oh, tu es bizarre, toi. Bah, toi, en héros, t'aurais été stylé, dis donc. Mais on sait que t'es pas un héros. T'es tout gris. Ah ouais, un prêtre. Euh... Oh là, toi, qu'est-ce qu'il y a Le boucher un mix entre un, le boucher de diablo et euh, un gros forgeron, c'est pas trop. Petit boucher mais waouh. Waouh waouh, wow. très bien. Allez, deux autres, venez les gars. Toi und toi. <laughs> Petit Jean, le pote de Robin des Bois. Alors, ce qui est bien, vous voyez, je, je raconte des conneries là en voyant visuellement les uns les autres, mais c'est déjà que le jeu est, est bien fait pour moi parce que j'ai une projection immédiate et une association avec des univers euh, que je connais, qui me parlent. Donc, c'est plutôt un très bon point. Alors, attention, après, on attaque les gros socles. Waouh Un cheval caparassonné avec son mec dessus. Eh ben, J'évoquais d'éventuels des, champions ou boss. Là, typiquement, on devrait être, on devrait être dedans. Hein. Tu es très joli, monsieur. Qu'est-ce que c'est que ça Alors je suis pas fan quand on a un mélange de technologies. Ah bah ben, voilà, là c'est pile poil le cas. Ça, je trouve ça d'une. Ouais, allez, je dis rien pour l'instant. Mais il euh, va falloir bien me le vendre, hein, ce truc-là. En termes d'histoire et de conception. Là, ça me parle plus. Un centaure. Deux centaures. Ah oui, d'accord, ils sont déclinés en trois. Donc, eux vont être costauds. Et puis, on a. On a, on a, on a un monsieur qui est quand même assez vénère. Ah, bah, c'est un minotaure! Où est-ce qu'on percevait, le Minotaur ah, Peut-être sur des, des visuels. Euh, sur la boîte ou une doc, enfin peu importe. Il est, il est gros. Il est très gros. Alors maintenant on va, on va aller chercher nos héros. Ici ce seraient nos quatre héros de base. Tiens. On va reprendre ça. On va reprendre ça. Un gars qui fait des potions. Oups. Quoi ça Un gars qui fait des potions. Elle, j'adore. Je crois que c'est une des, des, des héroïnes qui m'a tout de suite tapé dans l'œil, de par sa posture et ce qu'elle renvoie comme, euh, comme aspect immersif. Mi-roublarde, mi-voleuse. Elle, elle est stylée aussi en tant que lanceuse de sorts. Lui, par contre, c'est le beau gosse guerrier lambda classique. J'espère que sur le terrain, il va faire le taf pour protéger les petits camarades. Euh, voilà les quatre de base. Et ensuite, on en a. Ah ouais, lui, il est pas mal. Eh ben, c'est. Euh... Ah zut! Le petit gars qui court partout sur les toits, là, bon, vous le l'avez. Euh, ça me reviendra peut-être. Orf oh, que caches-tu derrière ton masque, toi mmh, Il va être bizarre, lui. Est-ce que ce sera le héros que je n'aime pas Vous savez, j'en ai toujours un que je n'aime pas. Oh, par contre, elle Ah ouais, tiens, j'avais... J'avais pas fait gaffe, on n'avait pas de tireur euh, arme à distance. Et eh bien la voilà. La voilà, la voilà. Ok les héros, super. Ah En reposant cet élément-là, je vois qu'on a les, des trous. Et eh bien c'est ce qui va aller euh, compléter euh, une autre... Euh, dans le classeur d'aventure. C'est une autre histoire en fait. Ok. Bien. Donc là, on a balayé la seconde couche de figurines. Les petits compagnons... Oh, je suis désolé, les gars, je vous ai mis en bordel couvré. Rejoignez donc nos, nos petits copains. Alors, la question est, est-ce que ça fait l'objet de scénarios spécifiques pour aller les, les chercher, les recruter, les, les petits compagnons ou bien est-ce qu'il s'achète, est-ce qu'il se trouve euh... mystère, mystère. Mais tiens, encore une fois, voyez, je me projette dans le jeu, en espérant des choses. Donc c'est que ça fonctionne. Pour l'instant, ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on a en dessous Ah bah pff, oui. Il y a un moment, on va peut-être falloir que l'on puisse jouer avec. Ah, il n'y a pas assez de place sur mon grand bureau, c'est dingue. Euh, oui, qu'on puisse jouer avec euh, les cartes. Les cartes, les cartes, les cartes. Alors. Oh On n'en a pas fini avec les figurines. Ah ouais. Ah d'accord. Alors. Margot, surtout, ne vient pas à la maison avant que je n'ai fini Nova Etas Renaissance. Elle a une phobie des araignées. Elle ne pourrait même pas s'approcher à moins d'un mètre. Mais vraiment, hein Incroyable. Ah, je la vois bien, euh, les pattes bien noires. Euh, là, euh, l'abdomen euh, bien noir aussi. Et puis l'aspect humain euh, au-dessus. pour le coup, ce sera peut-être pas si chiant que ça à peindre. C'est rassurant. Euh, oh les dés sont très jolis. Des dés à 8 faces. La tripotée de cubes. Ah, des dés spécifiques aussi. Très jolis. Des cubes, ça c'est pour maintenir les compteurs de menaces. Du cube, du cube, du cube et encore du cube. Ok. Des cartes, des cartes, des cartes. Ça, je ne vais pas me spoiler du tout. Espionne. Donc elle, c'est une espionne. Réussite. Bon, système de cartes. Par contre, graphiquement, aucun souci, pas d'ambiguïté. J'adore. Veuve noire en tant que avec les caractéristiques. Ces petits formats de cartes, donc c'est bien. Ça prendra moins de place autour de, la, autour de la table et des plateaux joueurs, qui sont visiblement déjà assez grands. Donc beaucoup de carte pour euh, bah pour pouvoir euh, pour pouvoir jouer et puis avoir euh, plein plein de loot destiné ça concerne Rebecca la chronomancienne Rebecca la chronomancienne alors je dirais que c'est elle celle hein, que je prenais pour la lanceuse de sorts bon à mon avis chronomancienne ça va être pareil très très belle et puis encore un paquet avec clé du taureau. Cela semble trop précieux pour ouvrir simplement la porte d'une tour. Peut-être. Les cartes spéciales. Là, nous avons Ah oui, c'est vrai, système d'enveloppe. Scénario 1. Alors ça, ils sont séparés de 1 à 5, je suppose, pour le on a bien vu passer un bouquin tutoriel. Oh c'est tout S1, S2, S3, S4, AR et C1. Ok. Je pense que ça a un lien avec le tuto. Et puis après, on aura toutes les fiches. Par contre, c'est absolument pas épais. Qu'est-ce que c'est que ces conneries y a rien. Bah ouais, tu m'étonnes que c'est pas épais. Il n'y a rien dedans. C'est normal parce qu'on va venir y loger ceci. Ah ouais, d'accord. C'est bizarre. Alors, ça a un côté legacy que j'adore. Hein. Mais, il faudra aller chercher tout ça. Nova Tas Renaissance. 0.5, une étrange rencontre. On a le 0.8, le plan d'évasion. 1.3, l'exorcisme. 1.8, de proie à chasseur. Le 2-2, un jeu avec la mort. Et enfin, et enfin, on ne sait pas. Compagnon Rebecca. Bon, à voir au moment où. Ici, on a encore un paquet qui fait référence à Modena. Alors, ça, c'est un village. Ah, ben ça doit être les différentes cartes des villes ou villages. Et on arrive à ceci. Oula Altaïr, ah oui voilà. Altaïr, là on a tout ce qui concerne nos héros. Alors je vire ce paquet. Enfin, le plastique plutôt. Voyons voir. Sophia, ma petite, euh, ma petite racaille, bah, c'est ni une bandit ni une euh, roublarde, c'est une racaille. Avec ses compétences, des compétences particulières, nos caractéristiques pour les lancer de dés, compteur de points de vie, je suppose. Ah, Sophia, mais on a la version racaille, on a Sophia, la version tueuse. Oh là ça doit faire partie des stretch goals, en fait. Goals. elle peut être racaille escroc ou tueuse, ah oui, donc on peut se faire des orientations de groupe assez euh, aux petits oignons, quoi Valerio il peut être écuyer, mercenaire chevalier à moins que ce soit des aspects que l'on débloque au fur et à mesure que l'on va passer des niveaux. Nous verrons. Euh, Vicenzo, il peut être novice, médecin ou encore prédicateur. Ah ouais, ok, on doit démarrer novice et après, on choisira notre, euh, notre carrière. Ah tiens, carrière à Warhammer, le jeu de rôle. Excellent ça, le système de carrière. Rebecca commence apprentie et elle pourrait devenir chronomancienne ou même nécromancienne. Ouh On n'est pas du tout sur le même trip là. Valério. Détail. Alors c'est une fiche d'aide, ça, hein toutes ses compétences en tant qu'écuyer, en tant que chevalier et en tant que mercenaire, OK. Ah ouais. Ah ouais, 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 ouais. et puis après pareil, on enchaîne avec euh, avec cela. Donc techniquement, on, on a un aspect jeu de rôle sur la progression de ces personnages-là. Et là, on attaque les versions des de ce qui a été débloqué et ce qui est fourni avec l'outil Titan Pledge, Altaïr, assassin, ou bien mentor, ou bien maître. Fatima, c'est elle qui avait son arc. Hein. Euh, ouais, elle est là. Fatima. Vagabond. Bard. Ah, Bard. Oui claireur. Gregorio alchimiste chirurgien ou fléau chirurgien j'aimerais bien l'avoir en tant que chirurgien et Agorix alors c'était qui ça Agorix C'est lui pas du tout C'est exactement pas lui T'es où Agorix Ah c'est lui avec sa oh, druide ok de base il serait druide avec une orientation géomancien ou bien animiste euh, vous allez pas me dire qu'en tant que druide il se transforme en ça non ça ce sont vraiment les compagnons tiens on n'a pas vu passer de fiche de compagnon pour l'instant euh, ce sera peut-être en petite carte. Les plateaux joueurs, double face pour pouvoir insérer. Oh oui, c'est une grosse double face. Hein. Non, pas ce point-là quand même. Ah Qu'est-ce que ça peut bien être Nova. Oups Nova Etas Renaissance. Ah ok, donc... On a des cartes qui viennent là des compteurs, des marqueurs, des trucs et des machins. On se placerait comme ça. Ah ouais, alors sur la table, ça va prendre une place de fou. Il va falloir cogiter à ça pour filmer. On va y arriver. Et donc, il y en a bah il y en a il y en a beaucoup. 1 2 3 4 5 6 parce que c'est vrai que l'on peut jouer de 1 à 6. Ah oui, alors euh, mon raisonnement de faire deux groupes de quatre, est-ce qu'il va être euh, opérationnel ou pas On verra. Ça, les cartes des PNJ qu'on a vues tout à l'heure. Alors PNJ, pas forcément, parce qu'ils ont des statistiques de, de combat aussi. <laughs> mouton. Transformation. Ah, bah on a vu un jeton-mouton. Donc, ça doit faire référence à un des sorts que l'on va pouvoir balancer ou que nos ennemis vont nous balancer. Et puis, ça, ce sont les cartes ennemies, je suppose. Oula, pas bon signe, mais visuellement, il est super, ce, ce dessin de tête de mort. La tête de ces morts. Encore Non, ça y est. Nous avons fait tout le tour de cette grosse bois boîte la vache à ah, la vache alors avant de passer à la boîte hyperion on jette un coup d'œil sur les bouquins ça fait combien de temps ah oui ça fait une heure déjà alors ça c'est bien parce que pour la peinture on a carrément le bon gros visuel qui aide Table des matières, Fatima, Altaïr, Gregorio et Agorix. Donc les héros supplémentaires, les compagnons, le nouvel équipement, la série d'équipements, des nouveaux ennemis, des familiers, les cartes de jeu, nouvelles tuiles, ouais c'est bien ça. Fatima, nouveau personnage, Altaïr, nouveau personnage. Gregorio. Et Puis Agorix, alors pour le coup, de 4, 6 et un 7. Et là, je me retrouve avec 4. Un truc que je ne comprends pas pourquoi j'ai cette figurine et là, j'ai bien lui, c'est Altaïr. Ok, ah, c'est lui qui me manque. Agorix, donc Agorix au bon lait de Brebix. il est. Là, 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 là. C'est bien ça, donc notre dernier héros à débloquer. Je vais aller le chercher dans cette boîte-là. Je suppose qu'il y aura ses cartes avec. Ok. Compagnon. Ah, c'est un compagnon, lui Petit Jean, là Ah, d'accord. Série d'équipements, nouvel équipement, des nouveaux ennemis sympas. Ah ah Je rêve, qu'est-ce que j'avais dit, boucher Il me faisait penser à un boucher, ou boucher de diablo. Eh bah ben, pile poil, c'est son vrai nom. Des gardes du culte, explorateurs, chasseurs d'hommes, espionnes, succube. Ah ouais, la succube. Joli. Hop Golem de l'horloger pas Frédéric, on verra, on verra. Oh, familier. Frataglia, Miel, et Romolo. Ok. Alors j'espère que c'est pas con con, hein, l'utilisation des familiers. J'aimerais que ça reste assez euh, adulte et un temps soit peu sombre. En même temps, ça pourrait faire un... Quelque chose de différent par rapport à la cité maudite, où là on est dans du très 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 sombre. Donc euh, des tuiles supplémentaires, les cartes du zodiaque, alors ça c'est dans les nouvelles cartes débloquées, partie à 5 ou 6 joueurs, ah bon bah ça me va, ça veut dire qu'initialement on est bien prévu sur du un groupe de 4, mais que l'on peut faire une extension à 5 ou 6. Donc rien n'empêcherait de faire deux groupes de 4. On verra, on verra, on verra. Des missions annexes d'exploration. Des missions annexes de rencontre. Avec un visuel. On a vu en, en tuile. Des missions de chasse. Ah bah, c'est marrant parce que mission de chasse, c'est ce qu'on va retrouver en péril, dans, en périple. Des périples de chasse dans la cité maudite. Quand je dis qu'il n'y a pas de hasard hein, dans les jeux de société. Grande figurine, Renaissance stretch, stretch goals, mission annexe exploration, d'accord. Des cartes, enfin une carte ici. Et ça, ce sont des missions annexes, d'accord. Ok. Donc c'est pas seulement un livret qui présente, c'est que ce sont les nouvelles règles. Tutoriel, bon bah tutoriel à lire en premier, on, on verra ça. Alors, ce que j'aimerais bien faire, c'est prendre le temps de faire la découverte des règles, au moins avec le tutoriel hein, et puis faire la, la lecture de tout ça. Ce sont des vidéos que j'aime parce que on se pose et puis on prend le temps. Avant le livret de règles, un petit coup d'œil sur le manuel. Alors c'est quoi ça C'est une aide de jeu en fait Ah ouais, c'est ça C'est exactement ça. En petit format, donc facilement euh, manipulable et lisible. C'est en fait toute une série d'aides. Alors si c'est bien fait, ça veut dire que je n'aurais pas besoin de me... Hop, oh, ça c'est bien. Ah Alors oui, c'est bien parce que ça existe, mais les intelligences artificielles hein, dans ces jeux-là... Généralement, j'ai tendance à aller au plus court. Ceci dit, dans Ciné Tempore, c'était quand même bien foutu. Je n'ai pas souvenir d'avoir galéré sur l'application, mais enfin en même temps, ma petite tête oublie vite. Et une liste des icônes. Alors, liste des icônes, ça peut valoir le coup dans un premier temps de faire la photocopie à part pour avoir une référence immédiate. Ok, ça c'est très bonne idée. Et c'est devenu impératif sur des gros jeux. Et puis enfin, le bouquin de règles. Waouh Nova et renaissance, feuille de campagne. Ah ouais. Ah ouais, 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 ouais. J'adore ça. J'adore. 1, 2, 3, 4. Voilà. On a une compagnie avec 4 euh, héros. Oh c'est quoi ça ah bah c'était le visuel de les contes de l'auberge insérés dans notre futur classeur. Euh euh, euh. Superbe, superbe, superbe. Campagne. On en saura plus sur les campagnes. Alors combien de pages Une cinquantaine de pages. Pff, magnifique. Et ça fait un nouveau visuel de peinture. sprigant <laughs> ok. Euh, c'est écrit gros, hein. moi c'est ce que je regarde généralement. C'est écrit bien gros avec de l'exemple, donc au premier coup d'œil comme ça, c'est plutôt euh, plutôt fun. Tiens, même eux, on va avoir un visuel euh, facile à, à reproduire. En schéma de couleur, on a jaune, rouge, armure. Bah ben voilà, déjà vous voyez la base c'est trois couleurs. La peau, l'arme, je pense que en, en durée de peinture ça ne va pas être excessif. Elle, même chose. L'horologium. C'est bien ça le nom. logium. ouais c'est ça. horlogium. On a un petit glossaire qui va bien. Le descriptif du matériel. Toc toc toc. Ok impeccable. Ah, nos factions. On a Venice. Non, Vénice. Il n'y a pas de double C, donc ça doit être que Vénice. La faction de Vénice, la faction de Roma et la faction des primévi. Ah, ben les voilà. La faction primévi, exact. Donc, on pourra choisir de rallier une des factions, si j'ai bien compris le truc. Ah tiens, les testeurs, les crédits. Pouf. Ah alors vous savez ma, ma phobie, non c'est pas ma phobie, c'est mon dada sur les sur le nombre de testeurs qu'il y a pu y avoir sur un jeu, ça m'est venu avec ce gros foutage de gueule qui était Vampire la mascarade, où en nombre de testeurs c'était ridiculement bas. Et on l'a vu sur leur version commercialisée, hein, que, pff, il y en a eu des, des coquilles et des grosses merdes de fête. Et sur les jeux comme Skyrim, où il y en avait une tripotée, et puis il y avait un autre jeu que j'avais déballé, où c'était une bonne surprise, je me demande si, pas, euh, euh, si ça n'était pas bah encore un nom que j'ai bouffé. Ah bon, bah tant pis où je m'étais dit, ah ouais, il y a beaucoup de testeurs, ça fait plaisir. Là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, allez, une vingtaine. J'ai pu me planter en cours de, de comptabilisation. Une vingtaine de testeurs, ça me paraît raisonnable. Franchement, ça me paraît pas trop mal. Alors, est-ce qu'on retrouve les noms des créateurs dans les testeurs bah, Logiquement, non. Luca Beneditti. Ah oui, si, Luca Beneditti. Alors attention, parce qu'un concepteur ne fait pas forcément un bon testeur hein. par rapport à la vision qu'il a de, sa, de son jeu, de sa création. Ça peut être euh, tronqué, alors que des testeurs vraiment indépendants, là j'ai plus confiance. Bon, c'est pas mal par rapport au nombre. 100 ans, franchement, c'est plutôt, euh, plutôt pas mal. Alors, comment fais-je Je fais une pause pour enlever ça et puis pour euh, enlever le plastique qui emballe Hyperion. On ne fait pas arrêter l'enregistrement, Friedrich, ne fais pas la connerie. À tout de suite. Voilà. Alors, euh, Hyperion. Nous avons, nous avons une boîte qui est fournie. Alors, il y a à la fois le sigle, enfin le symbole Nova Etas Renaissance et Black Rose War. Qu'est-ce que ça nous raconte? Vous avez besoin de Nova Etas Renaissance, Black Rose War ou Black Rose Wars Rebirth pour pouvoir utiliser cette extension. Une figurine Hyperion. Trois figurines Myrmidon. Deux enveloppes de mission, des jetons, des arbres brûlés et des cartes. Ah oui, ok. Ça c'est pour Nova Etas, ça c'est pour Black Rosewar. Et ça nous dit quoi Un nouveau et puissant titan sort de son sommeil millénaire. Hyperion, le seigneur du feu, est, su et est sur le point de mettre à exécution son plan d'embrasement du monde. Hyperion est une extension pour les systèmes de jeu Nova Etas Black Rose. Dans Nova Etas, votre groupe d'aventuriers sera confronté à une campagne annexe composée de deux missions qui aboutiront à un affrontement final et fatal lors d'une mission de chasse contre Hyperion et ses Myrmidons. Et dans Black Rose War, c'est autre chose. Alors, euh, on se calme hein, sur le terme campagne. Une campagne de deux missions, pour moi, ce n'est pas une campagne ce sont deux missions annexes. Campagne, voire même mini-campagne pour bien nommer les choses, ce serait cinq scénarios. Allez, quatre. Donc ça c'est Novaetas Hyperion. La doc. Comment utiliser cette extension le livret de mission pour jouer Ah oui, OK. Et tête-bêche, on a Hyperion pour Black Roswar. Il y a un S à Wars. Après, after, 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 les. Ah oh, tiens, petit problème. Les deux enveloppes de mission H comme Hyperion. L'affiche de Big Méchant. Des tuiles spécifiques, des cartes pour scénario de Nova Aetas. C'est bon, les jetons. Ouf! 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 Quelle horreur! C'est trop gros pour moi, ça. Ça, c'est dédié à Black Rossoir uniquement. Il y a le symbole derrière. Des petites cartes pour euh, bah peut-être pour euh, Novaitas de toute façon ça ça va aller là. Alors les myrmidons ce sont ces petites choses C'est un mix entre des harpies ce serait des harpies masculines des harpeaux. Ça hein. Comme disait Groucho donc on en a trois. Et puis, ça fait toujours très stylé. Le big boss. Le big 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 boss. Euh, bon bah je, je suis désolé. Alors, non, je vais pas être désolé de toute façon, c'est mon ressenti. Euh, mais franchement, je suis pas je suis pas fan de ces gros trucs là. Ça ne me fait ni rêver ni triper. Alors oui, elle est jolie, hein. Ils ont même prévu. Ah non, je croyais qu'ils avaient prévu un gros 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 socle, une grosse base. Euh, c'est vrai qu'elle est jolie. Ça peut être rigolo, mais c'est trop mastoc. C'est trop mastoc. Bon, je l'ai. Ça faisait partie du pledge Titan. Je ne vais quand même pas me plaindre. Alors, par contre, pour le coup, les ailes. Ouais, je ne sais pas si on se rend bien compte de, de l'épaisseur hein, par rapport à un petit doigt. C'est énorme. Énorme, énorme. Et en plus, ce qui est bien, merci à eux, c'est que c'est tout monté. Il n'y a pas besoin de s'emmerder à, à monter. Parce que je repense par exemple au dragon d'une des extensions de Dungeon Saga. Il fallait le monter. Et après, pour le ranger, on est baisé. Alors que là, au moins, même si c'est monté, on peut le faire euh, lui faire réintégrer sa bois boîte. Donc, je pense que je ferai quand même le crocher par, euh, par cette extension Hyperion, histoire d'aller se frotter à ce grand, grand, grand méchant. Ce serait quand même dommage. Hop là. Bon bah pour le coup ça aura été vite vidu. Euh, J'ai un doute sur le, le rangement de ça. Je dois mal m'y prendre mais on doit avoir moyen de les caler. Voilà. Sans trop que ça bouge. Ok. Et ben bah voilà. Et ben bah voilà. On peut refermer. Et puis alors j'ouvrirai le ça plus tard pour aller chercher la fameuse figurine. Hop non, pas ça. Celle-ci, pardon. Euh, la boîte qui fait référence à des magisters pour aller chercher le, le druide. Qui se trouve être ici pour compléter mon huitième héros. Et puis je vous maintiens que Mediceo, je ne le prendrai pas. Je le boude. Je le boude direct. Bon. Ce qui est bien, c'est qu'avec le Titan Pledge, euh, j'ai eu tous les Stretch Goals prévus. Donc rien que ça, c'est quand même... Vachement bien et puis euh, bah, le fameux hyperion qui peut quand même être assez euh, tripant à aller friter il va bien falloir aller le calmer un moment ou un autre bon ben on a fini hein, quand même 1h15 pour euh, pour l'ensemble de tout ça donc euh, vous l'aurez compris mon engouement est bel et bien là je suis plutôt confiant parce que qu'est-ce qui ferait que je n'aille pas sur euh, la campagne Franchement, je ne vois pas trop parce que le temps, je l'ai. Euh, cette idée d'alterner avec la cité maudite de Warhammer Quest, ça ne me paraît pas être déconnant. Je connais déjà la mécanique de jeu. Avec Ciné donc euh, 80%, on va être exactement dans la même chose, voire même avec des corrections qui auraient pu être apportées euh, par rapport à Ciné Temporé à l'époque. Donc nous, c'est bien. Hein. Franchement, c'est bien. Si éventuellement il a atterri dans vos étagères, euh, ce Nova Etas Renaissance, n'hésitez ben, pas à nous le dire. Ce que vous en avez pensé. Et puis, ben on va se retrouver dans quelques semaines. Ah, quoi que, je ne sais pas comment je vais le cicoter. Laissez-moi le temps de, de ranger, dépuncher, digérer tout ça. Et voir comment j'attaque mon planning de futures vidéos de ces Donjon Crawlers. Allez, je vous laisse ici. Comment je vais vous appeler avec Nova et TAS bah, J'en sais rien encore. Il faudra trouver la, la petite accroche qui va bien. Euh, donc dans tous les cas, bah, je vous laisse ici. J'espère que ça vous a plu. Et à très vite pour de chouettes, belles, futures, nouvelles aventures. Salut, salut.